Yo, tellement de beaux gosses sur ce live, vous avez reçu la notif. Vous êtes grave tous beaux gosses là. Toutes les personnes qui parlent dans le chat, vous êtes full beaux gosses. Je trouve qu'il y a un peu trop de beaux gosses, je me sens. Moi, j'ai pas cliqué sur la notif. J'ai pas eu de notif moi. Pensez que je peux m'en créer une moi-même et cliquer dessus. Après, si je suis sur mon live, ça compte, non? C'est vous qui votez. Yes, oui, 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 t'es moche. Ah, non. BG, moche. T'es claqué au sol. Mais oui, BG, j'adore tes notifs. Ah, ça va. Bon, globalement, il y a quand même pas mal de beaux gosses. Faut juste pas trop lire entre les lignes, quoi. Qu'est-ce que tu fais ce raid dans mon jardin là? Je suis content de te voir, mon chaton. Tu es plutôt du genre à te fixer des objectifs ou à te laisser porter? Moi, mon objectif est de me laisser porter. Oh, elle m'embrouille dès le matin là. Mais si tu es plus beau sur Animal Crossing qu'en vrai. Merci beaucoup gros, ça fait grave plaisir. Toi t'es plus beau dans le chat qu'en vrai je pense. Oh ça pour la chambre ça va être dégueulasse ouais. Un seul parquet foncé, c'est pas mal ça. Je sais pas trop. Ou un seul chevron bois, j'ai envie de tout jeter à chaque fois là. Ouais en vrai je viens de regarder mon argent, je peux prendre les deux quoi. Excusez-moi en fait, mais j'avais pas vu que j'étais pétichine en fait. Pourquoi je me prends la tête? Encore une merveilleuse journée sur Utopia Crack. Mais attendez, mais avant les dialogues étaient beaucoup plus intéressants quand on parlait au PNJ. Moi j'avais l'impression de répondre à plein de questions. Je me souviens des fois il y avait une espèce de jauge, il fallait que je jauge à quel point j'aimais la ville, enfin genre de truc. Là il y a plus rien. Chaque fois que je leur parle, ils me parlent des habitants qui viennent sur l'île. De rien en fait. Regardez ton ami l'inca. C'est ce que je disais. C'est trop nul, c'est pas l'île. Je m'en branle du cul là. Parle-moi d'autre chose. À la plage, l'air marin me détend tellement que je peux même pas soulever une canne à pêche. Tu pourrais pas me pêcher un poisson d'eau de mer. N'importe lequel ferait l'affaire. Si tu veux, frérot. J'ai bien fait te demander, t'es mon sauveur. Attendez deux secondes, je chope mon sélacanthe, les gars. Il est juste ici. Non, non. Il était si gros, si déçu. Putain, sa mère là. Vas-y, ça me fout le seum. Je vais lui redonner son parc commun de merde à flèche là. C'est pas grave, si le plus, j'ai décidé que j'allais jouer dehors et rien ne m'en empêchera. Ils ont vraiment des vies particulières. Vas-y, prends ton bar commun là. Regardez-moi ça, un bar commun, je te rencontre enfin. Mes frères, achète une canne à pêche, va dans l'eau. Tu verras, il y en a partout. Je te rencontre enfin, fils de chien. Accepte ça en guise de remerciement. Attention, pourquoi me suis-je fait chier? Pour des vêtements. Et voilà une veste d'écolier. On va juger ensemble sa veste d'écolier, attention. Oh lourd, ça fait écolier japonais en plus, ça va bien avec ma tenue actuelle. Ça va, c'est ok en vrai. Je viens juste de terminer ma séance de musculation de l'après-midi, kaboum. Mais ici on discutait. C'est Thibaut InShape, j'avais oublié. Tiens, Team Shape. Oui, c'est vrai, je possède une superbe table en bois. Ah, mais personne dit ça gros. Quand je m'entraîne pas, il m'arrive de m'asseoir devant et de lire. Ok. Et c'est un être spécial, mais il est pas. Eh, hey, mais c'est Sherlopio, tu viens me rendre visite. Ça pour une surprise. C'est vraiment sympa de venir me voir. Eh, hey, j'en ai presque la. Pardon Joey, là c'est bizarre ce qui se passe. Comment ça t'en as presque la queue qui remue? Qu'est-ce qui nous fait le frérot là? Et je me sens souillé. Oh, on a rien vu. Si tu savais comme je suis content que tu sois là. Sacré Loupio. En tout cas, bienvenue sur l'île de Joe. Ici c'est chez moi, j'aimerais que tu fasses comme chez toi. Ouais ouais. Je sais plus si je t'en ai parlé ou pas, mais j'ai monté un studio photo. J'ai appelé ça Photopia. Ouais, plagieur gros. C'est une utopie, ouais, plagieur. Ah, vie de ma mère, passe d'un ton Joe. C'est moi la vraie Utopia là. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Une utopie photographique. Un problème lui, déjà il me parle que sa queue elle remue frère. Alors qu'est-ce que tu penses de Photopia plutôt cool? Bah franchement. Non. Tiens, puisque t'es là, si on prenait une photo ensemble, toi et moi, ouais, loin de ta queue, s'il te plaît. Ah ouais, trop lourd le studio photo, j'adore, regardez comme c'est trop marrant en fait. Nouvelle pièce du shooting photo, je ferme les yeux. Mais non, des bateaux et des avions, waouh, ce shooting photo va être de qualité, ma parole. Attention, on immortalise le moment tous ensemble. Ça mérite une capture d'écran, je suis désolé, mais là, j'en reste bouche bée quoi. Waouh, mec, des briques rouges. La cave, on va aller la voir, je sens que c'est une dinguerie. Attention, vous êtes prêts? Il va m'attendre avec la queue qui remue, frère. Je vais voir flou. Ah oui, c'est totalement une pièce pour séquestrer des gens, ça je pense. On va remonter tout de suite, j'ai peur qu'ils descendent. Laissez-moi vous lire l'un des commentaires que j'ai rassemblés. Je trouve ça formidable que cet endroit n'est. Attends. Donc là, il y a un villageois de merde qui branle rien dans mon village qui est en train de dire que je fais de la merde. Et qui se fils de pute là. Je trouve ça formidable que cet endroit n'est rien de vraiment remarquable. J'espère que comme moi, votre île continuera à ne pas attirer l'attention. Mais quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je me prends trop de temps de violence dans les dents là? C'est qui le faux cul du village gros? Je parle à tout le monde, ils sont tous gentils. Ils me disent ah, GG pour ton travail. Il semble que tous les commentaires que nous avons reçus proviennent de la même personne. Qui c'est le fils de pute? À l'intérêt à Poucave, hein. Il y a une taupe dans le village, c'est qui? Imaginez en fait, depuis le début, c'est Béa qui mène un double jeu. Excusez-moi, attendez, je me mets dans mon rôle. Je pense que c'est normal, vous me reconnaissez pas à ma juste valeur. Flèche, dis-moi tout. Où étais-tu il y a à peu près 5 minutes au moment où j'étais à la mairie? J'ai l'impression que quelqu'un s'est moqué de moi. D'après une certaine personne dont je tairai le nom, tu aurais enterré des clochettes hier. Quelqu'un enquête sur moi? Très bien, je vois qu'on a deux inspecteurs dans la ville. Ça devient chiant. En vrai, je vous cache pas que c'est trop dur, je dois pas bouger d'un poil. On enlève tout ça. En tout cas, vous avez compris que j'étais inspecteur. T'as un passe-temps, miaoui. Mais c'est ta mère, j'ai Oh. Ouais, c'est ça. Je connais pas trop, mais si c'est ça que tu passes ton temps, j'imagine qu'il y a quand même un intérêt. Oh, il y a un intérêt, c'est vrai. Si ça se trouve, c'est. Oh pardon, je pleure un peu de rire là. Dites-moi que c'est pas un bar commun. Big bar commun. Putain, vous avez raison, c'est un bar commun. Vous avez remarqué que j'ai pêché 3 poissons là de la journée. 3 poissons des bar communs. L'autre il me dira flèche encore. Oh là là, première fois que j'en vois un. En parlant d'un bar commun, frérot, arrête de te moquer de moi s'il te plaît. Respecte-moi un minimum. Et je vais vous montrer un truc. Dans mes snaps qui datent de 2017, je crois. Octobre 2016. Il était 4h16 du matin. On était en soirée avec des potes. Genre nous, nos soirées, c'est bière pizza la plupart du temps. On devait être 7 ou 8. Et en gros, si vous voulez, on dormait tous à un étage dans des sacs de couchage avec plein de matelas, plein de couettes et tout. Bref. Il était 4h16 du matin, on voulait dormir. Il y en a un qui a commencé à prendre un fou rire et c'est parti comme ça. Attendez. Ha 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 ha
C'est le zoo. La fameuse maladie post-convention. Oh, incroyable, le JDG sur le live. Comment ça va? En secret, je vous file un petit tips. J'ai toujours du gel hydroalcoolique quand je fais des conventions et je me cache pour en mettre sur mes mains. Parce que je trouve ça horrible. Je viens d'aller checker tout le monde et tu vois le vieux gars qui est là derrière avec sa petite solution hydroalcoolique. Genre, vite les microbes. Je trouve ça horrible, ça sonne vraiment comme ils sont sales, mais c'est juste une manière de me protéger quoi. Sauf que j'ai toujours peur que de loin les gens interprètent mal. Donc du coup, je le fais un peu en secret dans les loges. Elle est encore en train de construire son meuble. Non, mais elle est conne comme un balai. Faut 8 bouts de bois gros, elle est encore dessus, ça fait 1h30. Tu passes ta journée ici en fait. Mais attends, c'est ta piole ou la mienne? Bah, excuse-moi, si tu veux, je me casse. Non, mais attends, je viens. Attends, c'est incroyable ce villageois. Quand je lui parle, elle est pas contente. Quand je lui parle pas, elle est pas contente. Ah, elle m'a saoulé, je me casse. Avec sa musique de merde là. Son appartement en bois en plus. Ah non, Calibis qui vient de seco sur Animal Crossing, j'ai très peur. Et je vais l'enlever de mes meilleurs amis temporairement. Juste temporairement, je les rajouterai plus tard par précaution. Il est pas sur le live, j'espère qu'il est pas sur le live, sinon il va gueuler. T'es un mange-mort. Hey mon gros, mon pote, mon fraté de la Vega, comment ça va? Je veux juste aller dans la boutique. Ok, vas-y, je te laisse meilleur ami alors. Ok, j'ai vu un trou, je me suis dit, il commence à faire le carnage, mais non, il creuse des pelles dans ça. T'as de la chance, Calibis. Viens, on se met dos à dos, on fait les mecs gangsta. Putain, les trucs de ma meuf, ils sont incroyables, regardez ça. J'avoue, pourquoi je suis en slibard là? Mon jean, ah, c'est parce que j'ai porté la robe de ma meuf, je pense. Mais ouais, je sais trop bien ce que tu viens de faire. J'ai vraiment juste dit biscotte, petite biscotte, biscotte, petite biscotte. Qu'est-ce qu'il fait encore le frérot là? Attention, pumpkin. Hé, il est chiant, putain. Il va faire tomber une espèce de guirlande que j'ai chez moi, mais c'est la proprio, vie de ma mère ici. Il fout tout par terre, je suis dans la merde, je reviens. J'étais à l'œil. Je peux streamer, peut-être je bégaye un peu, mais je peux aussi te regarder du coin de l'œil. Daron, Mastu, vous avez vu ça un peu, l'autorité inexistante chez moi? Respecte mon autorité! Et là, vie de ma mère, t'arrêtes! Elle me casse la tête, ce chat, Descends, vie de ma mère! Descends, arrête de me regarder comme ça! Allez, casse la tête, pourquoi j'ai un bar en plus là? Vas-y, y'a rien qui va. Ah, mais il continue! C'est incroyable! Oh! T'arrêtes un peu? Viens faire des câlins au lieu de faire de la merde! Et c'est Joy Kakari de Joyland! Ok, allons l'accueillir, c'est parti! Wow! C'est la première fois qu'il vient sur mon village. Wesh Narvalo. Il a niqué mes fleurs. Vite ma mère, il a niqué mes fleurs. En gros, il s'est passé un truc de fou. T'attendais devant chez toi là. En gros, attends, on est le combien là? On est le 31, c'est bien ça? Ouais, on est le 31. C'est la journée des abeilles géantes là, c'est abusé. Ah ouais, mec, j'ai jamais entendu parler de cet événement sur Animal Crossing, c'est trop bizarre. Bah, c'est parce qu'il y a plein de easter eggs. J'en ai capturé une moi. Ah ouais, montre voir. Elle est au musée, malheureusement. Ah, merde, fuck. Putain, trop chiant. J'ai vite couru pour faire non, pas les fleurs. Et trop tard. Et malheureusement, j'ai pas pu agir à temps. Ah putain. OK, mais c'est quand même bizarre parce que j'ai l'impression qu'il y a pas d'abeilles qui a pop, tu vois. D'un côté, tu peux gagner 1000 balles et de l'autre tu peux manger le cul. Tu prendrais quoi toi? Hors impôt tout ça? Ouais, hors impôt, c'est 1000 balles comme ça qui tombent. Normalement tu devrais pas autant hésiter je crois. Pareil, net d'impôt le cul. Net d'impôt le cul, vraiment bien net. Genre les impôts ils distonnaient le cul de Mastu monsieur. Je pense que je vais prendre le cul parce que 1000 balles ça je les ai, tu vois. Je me sentirais mal de récolter encore d'argent alors que c'est des choses que j'ai déjà de mon côté. Donc je pense que ce sera plutôt de manger le cul bien comme il faut. Ouais. Et alors attends, moi j'ai une autre question. D'un côté tu peux manger le fion, genre mon youf tu le grailles quoi. Et de l'autre côté okay. Tu peux devenir millionnaire mec, tu prendrais quoi? Sans prétention, je te graille le fion. Tout le monde sans prétention, je te graille le fion. En réalité, je voudrais être millionnaire. En fait, c'est faux, je voudrais plutôt te grailler le fion. Grailler le fion, grailler le fion. Grailler le fion de Mastu, c'est ma destinée, tu l'as vu. Mais t'as des requins. J'ai pêché un requin dans l'hémisphère sud de Henri. Je vais prendre une petite photo souvenir là. Vas-y, carrément. Tu fais quoi, gros? On peut pas s'accroupir dans le jeu. Même. Pourquoi tu voulais t'accroupir? Pour faire un effet de style. Ah, ok, ouais, un peu gangsta quoi. T'as pas l'air joyeux, gros. Attends, si, regarde. Ah ouais? Tu préfères avoir la vie dont tu rêves, dont tu as toujours rêvé et tout. Du jour au lendemain, claque, tu claques des doigts et t'as la vie de rêve. Ok, que tu as. Je me mets en condition, ouais, je m'imagine, ok. Ou alors, on passe une nuit torride. Je disais, en live, il y a pas plus tard que 2 jours, j'ai déjà eu cette situation où je me disais, ouais, j'ai l'impression d'avoir tout ce que je veux et tout, et je me sentais hyper malheureux parce que j'avais plus d'objectifs. Donc par défaut, tu vois, je pense que je vais prendre la nuit torride. Ok, bah je vois. Je pense que j'aurais fait le même choix en réalité. T'es avec Joy Canor, je suis avec ma mère là. Bonjour les enfants. Je me dis toujours, il y a forcément quelqu'un qui va prendre cette phrase premier degré et qui va se dire, ouais, Mastu gros, il a dit qu'il voulait passer une nuit torride avec sa daronne. c'est un kimono. Alors je sais pas si c'est le terme exact. C'est Louis qui me l'a fait, il est trop fort. Bah franchement il est vraiment beau. Ça t'a fait perdre tes cheveux quoi. Ouais alors par contre ouais c'est le problème. Quand je mets ce kimono je perds mes cheveux. À peine j'enlève une manche et je récupère quelques cheveux. C'est très particulier. Si tu devais me donner une note sur 10, tu donnerais quoi frérot? Sois sincère, on demande full sincérité là. Mais toute mon âme tu vois, genre ça me ferait trop chier d'avoir une mauvaise note. Mais sois sincère, je demande que de la sincérité. Regarde bien, je fais le tour. Vas-y, regarde, je tourne sur moi-même aussi. Je fais le tour, je regarde. Bah tu pars loin là. Tu veux courir, tu veux voir comment ça fait les mouvements quand je cours et tout. Ok. Moi je regarde bien là, je suis en train de bien regarder là. Ouais, mais t'as l'air de courir dans le sens opposé. J'ai l'impression que tu vomis à chaque coin de rue. Non, rien à voir. Ah ouais, ok, bon, j'ai dû rêver alors. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est le temps d'observer. Déjà joyeux, je sens que tu vas me donner une bonne note, je sais pas pourquoi. Alors, je vais te dire ma note. Attends, je réfléchis une dernière fois. 4. 4 sur 5 ? Mec, c'est énorme. Ça fait 8 sur 10. Non, alors, je pensais pas ouais, autant. Okay, franchement, je vais pas te mentir, du coup, il est dégueulasse en fait. C'est quoi, tu parles mon kimono ? Le kimono, il est super beau, mais t'as dégaine, elle est chlame quoi. Je trouve grave cash, mais au moins, c'est ce que j'attendais d'un ami. Par contre, un ami m'aurait soutenu, je pense, il aurait été plus doux, tu vois ce que je veux dire. T'as perdu tes vêtements en cours ? Bah, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai passé d'une pièce à l'autre et il y a ça. Enfin, c'est passé ça. Permets-moi de me mettre un peu plus à mon aise. Ouais, vas-y,
Ah ouais, alors par contre, j'ai aussi des abdos dans le dos. Je pousse beaucoup à la salle là-dessus. On passe une nuit en recto verso. Le pire, c'est ceux qui arrivent maintenant sur le live. Vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a un concept de vidéo à faire, c'est reproduire des choses d'Animal Crossing dans la vraie vie. Genre là, la situation qu'on vient de faire, on pourrait la reproduire dans la vraie vie. Enfin voilà, c'est une idée. Après, j'ai pas d'abdos dans le dos, donc ça serait dur à faire, tu vois. Ouais, tant pis, bah ça, les détails, on fait pas, tu vois. Ouais, on pourra faire ça, ok. J'ai l'impression que t'es en train d'uriner à côté de ton micro, c'est moi ou non? Ouais, c'est ça, c'est ce que je suis en train de faire. En fait, t'as des bonnes déductions. Parce que mon setup est dans les chiottes. 50 mauvaises herbes en plus. Oh la vache, qui aurait fait ça? Attends, viens, on va chercher dans le village, peut-être que quelqu'un. Non, bah en fait, on est que deux dans le village là. Je vois très bien ce que t'es en train de faire, mais t'inquiète pas. C'est normal, je comprends qu'on accuse directement la personne qui était là, mais attends, je cherche le coupable là. C'est bon, je l'ai. C'est un chat de mort là. Il a trouvé 4. Elle veut rentrer chez elle vite. J'ai envie de l'emmurer, ça fait longtemps. Ah non, on va la goumer. En tout cas, merci d'être aussi présent, merci d'être aussi nombreux, et puis je vous fais plein de bisous, je décode ce live. Que dire de plus? À la prochaine, à toutes.